Astre. Bienvenue au podcast en deux choses de métal, le podcast animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Salutations. Oh oui. C'est la route, mon cher TJ, aujourd'hui. Ouais, c'est la route. Quelle route? Je suis à Val-d'Or, je suis avec la gang des Foreurs. On a pratiquement matin. Écoute, on a pris. Même pas vraiment. Powerplay. Ouais, ça va bien aller à Val-d'Or. C'est année check et ça, saison. Hein. Même pas vraiment. Mais oui. Four check, back up. Pas pour rien qu'ils appellent ça les Foreurs de Val-d'Or, hein, font ce four check. Ouais, ici à Val-d'Or, il y a beaucoup de mines, puis. C'est ça. Parle anglais. Ouais, il parle anglais. Il boit beaucoup. Exact. Fait que aujourd'hui, c'est-tu notre dernier show de WCW Month? Oui, dernier gala qu'on review. On va en reparler tantôt, mais. T'avais pas aimé Cold Day NL, toi, hein? Non. Parfait. C'est bon. Bon, c'était mieux ça. Au moins, ça c'était mieux, au moins. Ouf. Pas de beaucoup, là, je vais te l'avouer, oh! Mais. Je t'en veux un peu. C'est rare pour tes choix de lutte que je t'en veux, mais là, un petit peu. Mais moi, c'était le concept que je voulais voir. C'était pas les matchs. Là. Je voulais voir le concept, comment il marche. Là. Il y a du potentiel, ouais. Mais mettons que le potentiel, après 3-4 matchs, il était plus. Ouais, du potentiel quand il n'y en a pas 18, c'est à 4. Il n'y en a pas 18, il y en a 15. Là, mais bon, on reviendra dans pas long. On reviendra à ça dans pas long. Slamberry 96 aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais, rétro review ou un autre rétro review. C'est ça. J'espère que vous avez apprécié nos choix de WCW de cette année. On va en refaire d'autres l'année prochaine c'est quoi septembre, mais on va avoir plus de rétro review aussi l'année prochaine. On va essayer de. On se l'avait dit là, qu'on voulait bien faire des rétro reviews. Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui ont demandé aussi plus de bio, mais ça, le bio, c'est beaucoup plus long. Mais ouais. Si on est capable d'en glisser une ou deux de plus, on ne veut pas devenir WWE avec deux pay-per-views par mois non plus. Parce que les bio, c'est comme un bonus. Si on veut pas un bonus, mais ouais. C'est comme un affaire plus spéciale. Fait qu'on ne veut pas en faire trop souvent non plus. Comme ça perd un peu de son lustre. Mais, ouais, deux lutteurs par mois, maintenant, tu vas te ramasser à faire des bio de lutteurs, ça te tente peut-être moins. Là. Ouais, c'est ça. Sinon, comment tu vis ton nouveau star, ton statut star avec la son fulgurante des vues sur YouTube? Ben écoute, ça va bien. Ça va bien nos affaires. Ça va bien pour plusieurs choses. Oui, ça a augmenté beaucoup. Les ratings augmentent, comme ils disent. Mais on a d'autres affaires qui s'en viennent aussi que moi, on dit qu'on ne peut pas annoncer tout de suite, mais une couple de points positifs. Là. On s'amuse beaucoup. On a des choses qui s'en viennent qui vont être intéressantes pour le podcast, puis pour aussi, peut-être, comment je pourrais dire ça, notre ambition de créateur de contenu de lutte ou de carrière de. C'est dur à dire comment se définir, mais tu comprends c'est ce que je veux dire. C'est beaucoup de mots, en tout cas. Ouais, c'est, oui, ça fait mal à la tête un peu. Là. Ouais, exact. Fait qu'on est-tu prête pour commencer le rétro review de Slamberry 96? Mais avant? Non, parce que t'as pas oublié. Oh non, puis je suis même prête. Je le sais, Alfredo. Dance Pop. Et voilà, on est prêt pour un épisode, un autre segment. Dans la vraie vie! Whip. Oh oui. Le segment. Oui, elle est partie, ouais. Elle est forte un peu, non? Oh! Tu l'avais pas entendu, moi? C'est spécial, hein? Si vous êtes d'accord avec nous autres, on vous en remercie beaucoup. La chanson numéro 1 en Amérique du Nord! 96, je vais dire. Hein? Bonne chance. Je vais dire. Comment il s'appelait, là, le groupe de. Est-ce que c'est pop?
Non, c'est plus rap, je pense. Ok. Ah non, mais. Ah, c'est rap, c'est sûr, je ne l'aurais pas. J'allais dire. Comment? Mon groupe, Annick Lachey. Annick Lachey? Ouais. 98 Degrees? Ouais, 98 Degrees. On va dire ça. What? Non. Ok, c'est bon. Ok, c'est correct. Je l'aurais jamais eu, mais c'est The Crossroads, The Bone Thugs in Harmony. Je sais c'est qui, mais c'est vrai que je l'aurais pas eu. Non. Chanson numéro 1 au Québec. Oh, 96. 96, j'étais où en 96? J'étais... Moi, je vais y aller avec Gabriel et Trois Maisons, etc. 96, c'est de bonne heure, là. C'est genre 2000, cette affaire-là. Ah oui, c'est vrai. T'as peur, je vais C'est une fille ou un gars? C'est une femme. J'ai juste deux choix. Je vais dire Martine Sinclair. Et non, c'est pas... C'est le temps de l'y faire de Nanette Workman. Ah, ben oui, Nanette, c'est tellement populaire. Je sens qu'il va être long, celui-là. Film numéro 1 au box-office. 96, ça pourrait être Scream. Un. C'est pas loin. Non, c'est pas un non plus. C'est Twister. Avec Ellen Hunt et Bill Paxton. Ah non, pas Paxton. Le Tornade. Jeu vidéo sorti alentour. Ça aussi, tu l'auras pas. Crash Bandicoot. Oh shit, non, c'est pas possible. C'est Quake sur PC. Y'a pas grand chose. Ouais. Dans le monde du sport, au baseball. Oh, ouais, t'as peur. Tu veux savoir qui a gagné la série mondiale, c'est ça? Non, au mois de mai, c'est le début de la série. Ouais, mais ça commence. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais le dire, là. Parce que... Ok, vas-y, excuse. Ken Griffey Jr. devient le 8e joueur le plus jeune à frapper les 200 circuits dans la ligue dans le majeur du baseball à 26 ans. Ouais. Toujours un membre des Mariners de Seattle avant de se joindre aux Reds comme son père, d'ailleurs. C'était-tu le fun de jouer à son jeu de PlayStation 64? Ouais. Ken Griffey Baseball, c'est malade. Même au pas, il y avait Super Nintendo aussi, c'était bon. Je sais que à l'école, dans mon livre de finissant, j'avais marqué que. Que Nomar Garcia Parra, c'était mon joueur préféré, mais c'est pas vrai, c'est Ken Griffey Jr. Ouais. T'as paniqué, t'as mis Nomar Garcia Parra, mais c'est... Ouais, c'est vrai que j'ai paniqué. C'est correct. Ouais. Sur le WCW Magazine du mois de mai 96, c'était Sting qui était dessus. Et pour terminer, un nouvel ajout. Oui. À vous montrer pour ceux qui sont sur YouTube, évidemment. C'est comment que c'était présenté dans les journaux de la place en Louisiane, au Bâton Rouge, oh oui. pour restaurant, là, le, vraiment la place Bâton Rouge, la ville. Ouais, j'allais dire que j'en ai un à côté, je pourrais y aller tantôt. Ah, nice. Fait que voici, ceux qui sont sur YouTube, vous voyez qu'est-ce que ça avait l'air dans les journaux, là, la carte, les affiches, les prix aussi des billets. On voit comme quoi que les billets les plus chers étaient 35$ à l'époque, fait que take me back. Mais en même temps, 35$ du temps, là, c'est beaucoup de, quand même beaucoup d'argent. Là. Puis, Lex Luger, je verrai sur le poster, j'irai encore plus. Fait que voilà, c'est ce qui conclut le segment dans la vraie vie. Excellent segment avec une musique des plus décadentes. Ouais, décadent. Ouais. Décalage, quel est le décalage? Slamboree 96, Little Lottery est le 4e pay-per-view de ce nom. Il a eu le 19 mai 96 en direct du Riverside Centroplex de Bâton Rouge en Louisiane. Évidemment, le Battle Bowl, le Little Lottery, c'est comme, je peux expliquer ça un peu, c'est comme un tournoi par équipe avec des équipes mélangées. Puis à la fin, il y a un tournoi, il y a un gros tournoi, puis toutes les équipes qui réussissent à survivre leur combat de deuxième ronde, ils ont une Battle Royale à la fin. De 8 personnes, puis le gagnant est number one contender pour un match championnat plus tard. Fait que, ben, si vous voulez un genre d'exemple, ben, AEW a fait pareil il n'y a pas longtemps, là, avec leur tournoi, avec les comment qu'ils avaient appelé ça déjà, là, les...
Les Too Much Champions, non, c'est pas ça, non. C'est... Non, arrête d'insulter les W, là, c'était le fun de ce concept-là. Title doesn't matter. Hein? Ça nous a donné un excellent tactique et une excellente story, ce tournoi-là, fait que t'as pas à chier dessus. Title doesn't matter anymore. Non, all the title matters, parce que c'est toi, t'es, pas capable, t'es trop vieux pour keep up avec les ceintures. C'est pas de la faute à eux autres. Keep it up. Avant le gala, il y avait Main Event, le show, dans le fond, le preview show qu'il y avait avant le pay-per-view. Il y a un combat, ma foi, enlevant. Les American Males, les mâles américains, Scotty Riggs et Buff Bagwell ont battu The Shark et Max avec Jimmy Hart dans leur coin en moins de 3 minutes. Fait que, ouais. Wow, ça va à peine d'arriver de bonheur. Ouais, parce que c'est plate, hein, t'aurais pu manquer 16 matchs à place de 15. Non, mais je passe dans le sens qui est arrivé pour le kick-off, le match pre-show, puis c'est un match de même. Intro du gala, avec un aperçu des combats de la soirée, et on a des feux d'artifice ensuite. Et les annonceurs, en fond, les commentateurs de la soirée sont Tony Schiavone, l'arrêt américain Dusty Rhodes et la cervelle Bobby the Brain Heenan. Tout un saut pour Dusty Rhodes, hein? Oui, une belle veste rouge, hein? C'est belle. Wow. Et on va tout au match numéro 1. Road Warrior Animal et Booker T contre Lex Luger et Road Warrior Hawk dans un combat Battle Bowl en première ronde. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, un match enlevant. Ben oui, j'avais le goût de m'enlever la vie après avoir vu ce combat-là. Luger et Animal débutent des hostilités. Il est juste chargé des Power Slam. Très excitant. Et Luger avec une souplesse qu'Animal no sells et lui fait un dropkick en réponse. Et Booker T dans la ring maintenant, il fait un sidekick à Lex. Et Booker T prend les devants avec, pendant quelques instants. Un scissors kick sur Luger, il fait le tomber, mais Hawk arrête le compte. Et ensuite, Hawk et Lex s'obstinent, ils se tapent dessus. Et tout le monde est en train de se battre en bas de l'arène. Et l'arbitre Nick Patrick, l'excellent Nick Patrick, les comptes à l'extérieur du ring, et tout le monde est éliminé. On a un double count-out pour débuter le gala. C'est le fun match parce sur... que... Ouais. J'allais dire le trois quarts du match. À un moment donné, je pensais si la stipulation c'était un chin lock match parce qu'il y avait juste ça dans le match. Ouais. Moi, ça me gosse plus le. Oh, ben là, c'est correct là. Mais Randy, ça allait être super bon. Il va pas faire des headlocks, tu sais. Luger, il est considéré comme Luger, il est pas considéré comme Randy Orton. Pas pareil. Non. Yep, ben meilleur Randy. C'est discutable. À part son finish, là. Pas grand chose de spécial de Randy Orton. C'est même pas lui qui l'a inventé, c'est des DP. Fait que, bravo. Hey, Luger aussi, à part son finish, non? Ta gueule. Bref, un match so-so pour commencer. Et tout le monde est protégé. En fond, tout le monde gagne rien, mais tout le monde perd rien non plus. Fait que, c'est de l'effet du coup. Toi, le combat, t'as adoré, j'imagine, hein? Écoute. J'hésite entre. Ben, tu sais. C'est le premier combat, fait qu'au moins, je me suis dit, ah, je m'endormerai pas tout de suite. Mais je trouve ça boring as fuck. Tu sais, comment tu peux avoir autant de bons lutteurs, à l'exception de Luger, dans le match, puis faire ça? Et voilà. Ouais. C'est vrai que Hawk des Legend of Doom est encore meilleur que Lex Luger, c'est ben oui, de beaucoup. Hawk est meilleur que Lex Luger? Non. No, he's not. Non. Même pas Animal. Mais voyons donc. Et Booker T est meilleur, ça c'est facile à, comme je suis pas fou non plus là. Mais puis, il est meilleur que les deux autres là. Oui. C'est discutable en maudit. Agree to disagree, my friend. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas. Sinon, voilà, double DQ ouais. Pour commencer le gala. Un double count-out, pardon. Et après ça, on a le match numéro 2, Public Enemy, contre Kevin Sullivan, le Taskmaster, et Chris Benoit. Un autre combat Battle Bowl. Fait que tiens, hein, les random drawings avec un tag team intact. C'est bizarre, hein? Ouais, en temps, ça peut arriver, là. Ça se peut aussi, là, mais... C'est un peu le thème de la soirée que ça lookait pas très au hasard, mais, tu sais, on se rappelle de Taboo Tuesday pis tout ça, Cyber Sunday, là, c'était le même genre de truc, là. Mais le pire, c'est qu'avant Battle Bowl, quand ils faisaient les années d'avant, c'était tout était... Il y avait rien de seté, là. Ils étaient tout vraiment, genre... Hein? Ouais, je pense que ouais. Puis ouais. Il faisait ça, puis tout le monde, c'était random au bout, là. C'était pas, c'était vraiment random, là. C'était pas genre, ah, ben lui, on veut pas qu'il soit avec lui parce qu'on veut construire la storyline, tu sais. Non, c'était vraiment genre, tu pognes le gars, ben c'est lui, c'est lui. Mm.
Que, comme j'ai dit, match numéro 2, un tag team intact, Public Enemy contre Kevin Sullivan et Chris Benoit, qui sont pas en rivalité encore, mais ça s'en vient après avec ce show-là. Ouais, grosse rivalité, ça, quand même. Oui. Ed Scissors de Rocco Rock sur le Crippler, suivi d'un Rana et d'une petite danse par la suite. Je vais mettre la petite danse, c'est de même. On était qu'un rap Public Enemy, je les adore. Et après ça, Rocco essaie un autre Rana, qui est cette fois-ci bloqué par Benoit avec un powerbomb. Et après ça, quand Sullivan embarque, ça dégénère en brawl avec les quatre lutteurs. À l'extérieur, une table est préparée. Une table, évidemment, qui est l'objet fétiche des Public Enemy. Mm-hmm. Et Sullivan se fait placer dessus avec Benoit, et quand Public Enemy saute sur eux, Sullivan se tord, et seulement Benoit se fait rentrer dans la table par Public Enemy. Et après ça, Kevin Sullivan, après ça, il a mal à la jambe, puis il se sauve de son partenaire, et Benoit se fait piner par la suite, et Public Enemy avance en deuxième ronde de Battle Bowl. Mes notes pour ce match-là, ah, ok, parfait, au moins c'était meilleur que le premier. Correct pour ce que c'était, rien à rajouter. Et voilà. Ouais. Fait que voilà, match numéro 3, il va aller vite celle-là. Sergent Greg Pittman avec Scott Steiner, avec Teddy Long dans leur coin, contre Rick Steiner et le Booty Man avec Kimberly, le Booty Babe Kimberly Page dans son coin. Fait que, l'action pick-up après quelques mois, t'as dit quelque chose? Tu vois, l'action aurait dû être en dehors du ring. Ça, je l'ai dit. Ben, il aurait dû juste mettre une caméra sur Kimberly tout le long, puis ça aurait été correct. Ouais. Ouais. Et l'action pick-up avec. Mais en fond, je dis ça, mais c'est pas vrai. Le match était bon. Là. Ben là, arrête, là. Le match était bon quand c'est les deux Steiner dedans, OK? Ben, je peux te le dire tout de suite, à date, ça va être le meilleur match de la soirée. Ouais, ça, c'est sûr. C'est pas bien dur, là. Colin. Ouais. Et l'action pick-up après quelques minutes, quand on a les frères Steiner un contre l'autre, les deux, évidemment, sont des maîtres de lutte collégiale. C'est ça qu'ils font au début du combat. Là, c'est vraiment beau, c'est vraiment des séquences de lutte collégiale, là, vraiment le fun à regarder. Lutte amateur! Ouais, et après ça, Scott prend ça, dans le fond, c'est Rick qui gagne la bataille avec son frère Scott, puis Scott prend ça plutôt très bien, avec une souplesse à la tête de son frère. Et après ça, on a une line de Scott qui est bloquée par Rick, qui lui en fait une en retour. Et après ça, on a Scott qui joue à l'opossum et roll up Rick pour un compte de deux. Et on va après ça un Rick qui fait un petit sourire en coin vers son frère, là, mon petit maudit, tu sais, petit de m'avoir. Hein? Et après ça, les deux s'échangent des souplexes jusqu'à temps que le Bullyman embarque. Ouais. Puis je vous rappelle, ceux qui ne savent pas c'est qui le Bullyman, mais c'est Rudus Beefcake. Donc voilà. Ouais. C'est important de le mentionner parce que du monde ne sait peut-être pas c'est qui le Bullyman. Que... Ben, c'est drôle. Je vous envie que... d'ailleurs. C'est drôle parce que j'ai lu quelque chose là-dessus que ça disait que c'était une de ses meilleures performances depuis un bout. Mais il a rien fait. C'est peut-être pour ça. Il manque une charge dans le coin et Pittman lui fait une clé de bras. Et pour ça, Bullyman tag Rick quelques secondes plus tard, bat Pittman avec une souplesse à la germaine avec un très beau pont. Et Rick et Bullyman avancent à la ronde suivante. Même match à date. Pour vrai, ouais. Mais à terre. C'était vraiment bon quand les Steiners s'affrontaient. Puis, c'était on dit que c'était un bon match, mais c'était bien, mais sans plus. Là. Oui. Puis, tu sais, dans le match, là, tu sais, Greg Pittman, il n'est pas si pire que ça non plus. Là. Ben, il a fait une performance honnête dans ce match-là, je crois. Ben ouais, je le trouve correct. Ouais. Il n'est pas mauvais. Ouais. C'est pas un mauvais lutteur. Il faisait la job. C'était correct. Ouais. Fait qu'un bon match, ce qui fait changement à date dans ce show-là. À date, si on s'arrête là, il gagne mon match of the night. Si on s'arrête là. Oui, en effet, oui. Et après ça, on a le match numéro 4. Les Blue Bloods, Lord Steven Regal et Squire Dave Taylor avec Jeeves dans leur coin. Contre VK Wall Street et Jim Duggan. Ceux qui veulent savoir c'est qui VK Wall Street, ben oui, c'est IRS. Yuck. Oh! Au moins, il y avait un bon lutteur dans cette équipe-là. Ça en sauve jamais, si, lui. IRS, il y a deux shows de suite qu'on parle d'IRS. C'est le fun, ça. J'aime ça, je comprends. Ouais, c'est correct. Ouais. Il en fait, c'est correct. Alfredo, va écouter les shows après de parler pour rien, comme ça.
Pas en Vicky Wall Street, là. Puis insulte pas Alfredo, il a raison sur IRS, c'est pas bon, il a le droit. Arrête de licher la raie bien profonde d'Alfredo entouré de poils d'années 80. Je liche pas le cul, je dis juste qu'il a raison là-dessus, c'est pas pareil. Hey, pendant que tu continues 2 secondes, je vais aller me chercher un oreiller pour me monter, j'ai mal au dos. Ok, c'est legit ce que tu me dis là. Ok, parfait. Ouais, fait que dans le fond, il y a un peu de storyline avec ces lutteurs-là impliqués. Dans le fond, c'est Ricky Van Suit et Jim Duggan sont en rivalité un contre l'autre. Puis les Blue Bloods, dans le fond, Regal et Dave Taylor. Au départ, c'est censé être Fit Finlay qui était avec Steven Regal. Mais ils ont eu un match pas longtemps avant ça. Puis Finlay était blessé à l'œil. Fait qu'ils ont fait le switch pour Dave Taylor. Et après ça, on a Duggan qui a l'over sur Regal avec des clotheslines. Et après ça, Wall Street et Taylor sortent dans l'arène. Et pas grand-chose se passe. Et Wall Street tag Duggan qui le pousse. Parce qu'évidemment, ils sont en rivalité, je l'ai dit. Mm-hmm. Collision dans la ring entre Regal. Dans mon texte, c'est marqué Regal et Regal. Fait que c'est en marque. C'est possible, mais on sait jamais. Et Regal tag Taylor pendant que Vicky se tasse du coin quand Duggan vient demander le relais. Comme un partner qui ne veut pas le taguer. Et Duggan le slug, Kate, oui. Et après ça, Axa Jim Duggan tape son poing en déchaîné, puis frappe Regal en pleine poire, et c'est suffisant pour la victoire pour Vicky Wall Street et Jim Duggan. Ouais, c'est ça. Fait que c'était un match qui était vraiment là pour la rivalité entre Wall Street et Duggan. C'est rien d'autre à rajouter. C'était pas bon, mais. Pas bon, mais au moins c'était court. C'était cool. Ouais, ben, il y a 15 matchs dans la carte, là. 15 fucking matchs. Ben, j'espère qu'ils vont être cool, les estimes matchs, là, pour vrai, là. Mais, arrête d'en chialer. Ça m'a fait plaisir de voir RRS, moins de voir Duggan, mais tu vois que c'est qui a traîné le team encore une fois. RRS, ben, pas RRS, mais Vicky. En tout cas, j'ai remarqué que c'est Duggan qui a eu le pin, puis tantôt, ouais, mais... celui qui fait piner, c'est pas Duggan. Fait que... T'sais, c'est pas parce que tu ramasses l'or que c'est toi qui l'as creusé, hein. D'accord. Bref. C'est pas vraiment plus de grave. Non. Match numéro 5, Dirty Dick Slater. C'est son nom, j'ai pas le choix de le dire demain. Je sais. Avec Earl Robert Eaton, avec Jeeves et le colonel Robert Parker dans leur coin. Contre Alex Wright et Disco Inferno. Un bon tag team, ça. Puis un tag team, ouais, vraiment. C'est pour vrai, oui. Non, mais c'est drôle parce qu'ils vont donner tag team partner dans une couple d'années après. Fait que c'est drôle qu'ils aient fait un match random avec eux autres en équipe, là. Je sais pas s'ils ont eu l'idée avec ce match-là. Je sais pas, mais je trouve que... C'est arrivé longtemps après ça, par exemple. Ouais, le show est en 96, mais ça look vraiment plus vieux. Ça look genre quasiment début des années 90, fin 80. Il y a comme une saveur, une vieille saveur à ce show-là. Peut-être parce que... Non. Il y a vraiment une vieille saveur. C'est bizarre. À cause du ring, à cause de la reine, comment qui est faite. Peut-être. Ouais, à cause de toutes les gimmicks puis de lutteurs qu'on connaît qui ont eu des différentes gimmicks. Je sais pas. C'est weird, mais... Disco puis Alex Wright, moi, je... Alex Wright, je l'aimais bien. Là, ouais, il est solide. Ouais, c'est solide. Ouais. Big Bradwurst. Et Slater domine Disco dans le coin. Et Disco lui fait s'en fait beaucoup plus pour ses cheveux et ses places après. Là. Et après ça, Alex Wright danse son partenaire avec un drop toe hole. Après ça, on a une tag à Eaton qui reçoit un uppercut et un drop kick de Das Wunderkind. Et après ça, on a Dirty Dick Slater qui est de retour avec un neck breaker. Et après ça, on a Wright, ce sort d'un pile driver attempt avec un backdrop et tag Disco. Et après ça, évidemment, on finit à voir les 4 joueurs en ligne en même temps pour un mêlée. Et dans la commotion, Dirty Dick frappe Disco avec une botte de cowboy pour la victoire de son équipe et un passage en deuxième ronde pour lui et Eaton. C'était direct en arrière de la tête, ça, non? Ouais, en effet, ouais. Une botte, là, genre, ça à nuque. Ouais, Disco a vendu ça comme un chef. C'est vrai, ça, par exemple. Sinon, un match de lutte très court. Très court, tu sais, ça va être ça tout le long, là, quasiment. Là. T'es très court, man, ça, bon, c'est ça. Flang, bang, bang, flang. J'aurais jamais aussi bien dit. Ouais, c'est vrai. Match numéro 6. On va se faire ça en une demi-heure, là. J'espère. Eh non. Match numéro 6. Diamond Dallas Page. La crasse. Voilà. Et le Barbarian contre Hugh Morris et Ming. Oh, intéressant. Ouais, les partenaires Ming,
Warren un contre l'autre, les Faces of Fear, les Faces de la peur. Et on a un début entre Paige et Hugh Morris. Et Morris manque une planchette en sneak shot. Et dès le début, lui fait une line en tournant. Il tag le barbare. Évidemment, on a un face-à-face maintenant avec les Faces of Fear, qui sont un contre l'autre dans le ring. Et Byron pogne Ming avec un super coup de pied. Il slam DDP sur Ming. Et après ça, il y a Morris essaie de sortir son équipe de l'embarras avec un elbow de la 3. Et pour un compte de 1, 1 seulement. Et Byron dégage à 1, quand même impressionnant. Et après ça, il remonte au top, mais Paige secoue la corde. Fait qu'il tombe les gosses premières sur le coin. Et après ça, Morris réussit quand même à se faire son No Laughing Matter moonsault. Mais Paige vient briser le compte. Et dans une fin de match intéressante, quelque chose que j'ai pas pensé dire dans ce show-là à jusqu'à date, Ming fait une botte à DDP pendant que Barbarin fait une botte à Hugh Morris. Puis il y a un double pin, fait que le compte de 3 se fait, sauf que DDP avait son pied à l'extérieur du ring, tandis que l'autre était en milieu du ring. Fait que les gagnants du combat, Barbarian et DDP, crise de belle fin, pour vrai. Ouais, c'est très intelligent. Moi, ce match-là, je l'ai décrit comme quand même divertissant, puis du bon chaos. Tu sais, je veux dire, dans le sens où il y avait quand même une énergie le fun. Puis, je sais pas parce que, tu sais, souvent c'est toi qui vas caler ce shot-là, là, mais dans le match, Dusty Road, quand il disait Barbarian, on dirait qu'il disait Barbarian. Ça se peut. Tu sais, il disait pas Barbarian, il disait Barbarian. Tu regarderas, là, il... Je pense pas que je vais regarder le show encore, là. Mais j'ai trouvé ça drôle de... Je sais pas. Ça m'a accroché dans le match. C'est pas bon signe, là, mais... Slim pickings, hein? Ouais. Donc, comme j'ai dit, c'est un match moyen, mais avec un beau finish. Fait que, au moins, toujours ça de bon. Puis DDP, puis il fait une bonne équipe avec Barbarian, je trouve. C'est une des seules équipes, vraiment, qui avait de l'allure dans le tournoi, là, qui travaillait ensemble, là. Puis aller voir l'accoutrement de DDP, là, spectaculaire, fluorescent. Et... Ouais. Et que... Match numéro 7, Big Bubba et Stevie Ray contre Fire and Ice, l'équipe de Ice Train et Scott Norton. Hey TJ. Ouais. C'était qui Big Bubba? Big Bubba, c'était Big Boss Man. Et voilà! Ray Trailer. Voilà. Biographie disponible. C'est vrai, allez voir. Norton manque une line, mais réussit un coup de bélier en sautant sur Stevie Ray. Et après ça, Stevie revient avec une corde à linge en courant et tag Bubba dans la mêlée, évidemment. Il connecte avec un splash dans le coin. Et après ça, un spinebuster pour un compte de 2. Et après ça, le relais se fait au train de glace. Une double line, mais Bubba et Ice Train au sol en même temps. Et quelques secondes plus tard, Bubba se fait lancer dans son partenaire et devient la victime d'un coup de bélier en équipe de Fire and Ice en même temps. Et c'est assez pour la victoire. Et Fire and Ice avance en deuxième ronde. Un autre c'était équipe random. Ouais. Qui est une vraie équipe. Random? Ouais, je comprends. Ouais. Non, en effet. Ouais. Fire and Ice était cool ensemble, je trouve. Ouais, c'était une vraie équipe qui a été mise par hasard dans le tournoi encore. Ouais. Puis si vous voulez, une comparaison, si vous voulez, avec Ice Train, le partenaire de Scott Norton, ben imaginez-vous Biggie, mais en 96. Il devait être bon au Japon, eux autres. Sûrement, mais Scott Norton était excellent partout, pas juste au Japon. Écoute, si vous voulez voir un match de clothesline, c'est ce match-là. Il y avait juste ça, un match, des clotheslines. Okay. Des coups de bélier aussi, là, comme tout. Ok, c'est vrai, ouais. Fait que, c'est ça. C'était un match. Quoi dire de plus? Rien. Mais là... Après ça, tu vas me dire que Cody and Hill était pas meilleur. Ben, Cody, au moins avec ce show-là, c'est genre c'était pas bon pour on move on, tandis que Cody Nell, ça c'est pas bon, puis c'est dégueulasse. Okay. Au moins, les autres font ça court. J'ai hâte de voir si maintenant t'es plus basse que celle de Cody. Si elle l'est pas, j'allais les avoir pas en esti. Moi, je t'assure qu'elle est plus basse. Ça va être la plus basse note que je vais donner un show jusqu'à maintenant. Ben, d'habitude, moi, je suis quand même généreux là, avec mes notes. Là. Oui. Mais je pense que pas de temps non plus, juste un petit peu, là, plus que. Ouais, ça, mais on est toujours à 0.5 de différence. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais là, par exemple, ça va changer parce que match numéro 8, Eddie Guerrero et Arn Anderson contre Ric Flair et Macho Man Randy Savage. Avec évidemment Elizabeth et Woman dans leur coin.
ben, plus dans le coin de Flair. Mm-hmm. Et évidemment, Flair et Savage sont en guerre depuis un méchant bout. Depuis qu'Elisabeth s'est tournée contre Randy, et était avec Ric Flair, puis elle a pris tout son argent à Randy Savage, puis elle a gaspillé ça avec Ric Flair et ses amis. Fait que, ouais. Pas très gentil, Madame Elisabeth. Et on a Savage qui arrive en premier, et quand la toune de Ric Flair joue, bien évidemment, Ric Flair tourne le dos. Vous pouvez regarder vers l'entrée, et Arn Anderson l'attaque de dos, pour évidemment pour l'adoucir pour Flair, qui arrive en courant, pour s'assurer qu'il peut frapper un Macho Man qui est à terre. Et après ça, on a Rick et Eddie qui startent avec un échange de coups, que la foule réagit beaucoup là-dessus, des belles chops. Et après ça, on a Eddie qui backdrop Flair du coin et lui fait un beau dropkick. Et après ça, on a Flair qui punch Savage d'en face, qui constitue évidemment un tag, parce qu'il a tagué. Et après ça, Arn tag Guerrero pour embarquer et tabasser Macho Man Randy Savage. Et Double A fait son très beau spinebuster à Savage. Et après ça, on a Guerrero qui aide Macho un peu et va sur Flair. On a un DDT Tornade sur le Nature Boy. Et après ça, Randy attaque Rick pendant qu'Anderson fait un DDT à Guerrero, son propre partenaire. Donc, il y a des shenanigans qui se passent, de la petite magouille. Après ça, Arn tire Savage en bas et l'envoie dans la barricade. Et pendant ce temps-là, Ric Flair rentre vers Eddie, met son bras dessus et c'est assez pour remporter le match. Lui et Macho Man avancent en deuxième ronde du Battle Bowl. Et après la décision, Flair tient Randy pour qu'Elisabeth le slappe d'en face à quelques reprises. Et on a terminé ça avec un DDT sur le plancher de Arn Anderson sur Savage. Et un combat à peine de 5 minutes, mais super divertissant. Puis une très belle job de tout le monde. Ouais, ça paraît qu'il y avait beaucoup de vétérans puis beaucoup de vécu dans ce match-là. Puis, le talent aussi, surtout. Le talent. Mais ça, c'est un peu plate. C'est un genre de formule-là. C'est quand tu as autant de star power sur ton show. Puis que ça donne à peu près ça dans ton show. Je trouve que c'est un peu du gaspillage. Tu sais, c'est un pay-per-view quand même. Là. Mais, ouais, c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais bon, c'est la formule qu'ils ont décidé d'essayer. Au moins, ils ont essayé quelque chose. Puis, non, c'est un des meilleurs matchs à date. Là. Fait que, ouais. J'apprécie. C'était divertissant. Yes. Et après ça, on a un pay-per-view, un commercial pour le prochain pay-per-view le mois prochain. Great American Bash. Et après ça, on a Mean Gene qui est accompagné de trois jolies demoiselles du Hooters pour l'aider à faire la pige pour la deuxième ronde. C'est quoi ça, le Hooters? Des bonnes ailes de poulet là-bas. Ah ouais, c'est un restaurant? Ok. Oui. Ok, parfait, merci, je savais pas. Et Fire and Ice gagne un bail pour la deuxième ronde. Mais bon, ils vont dire qu'il y a Amateur Royal, les chanceux. Mm-hmm. Après ça, on a le premier match-up qui est seté. Dirty Dick Slater et Robert Eaton contre Duggan et Wall Street. Et voilà, match numéro 9, Dean Malenko défend son titre Cruiserweight contre Brad Armstrong. Évidemment, Brad Armstrong qui est de la famille des Armstrong, évidemment, avec Bullet Bob, son père, et ses frères Steve, Scott et évidemment Road Dogg Jesse James. Et on est c'est dans les débuts de la division Cruiserweight. Là. Ça fait pas longtemps qu'il avait commencé ça de SW, puis on voit vraiment que c'est. C'est des early stages. Ils n'ont pas trouvé le rythme pour les Cruiserweight match. Là, fait que ça va s'en venir plus tard, évidemment. Mais ouais. Fait que, puis Tony et Dusty notent que Dean a été éliminé en première ronde du tournoi qu'ils ont eu pour gagner le premier champion avant de gagner la ceinture par la suite. Puis aussi pour ceux qui sont des fans de trivia. Mais c'est la première fois que le titre est défendu en pay-per-view de la WCW à Slamboree 96. Oh, fun fact intéressante. Oui. Et Armstrong frustre Dean qui sort du ring au début du combat. Et après ça, Malenko propose une épreuve de force. Ben, c'est une ruse. Il dropkick le genou de Armstrong. Mm-hmm. Et le match de Malenko est seté, évidemment, avec ça. Il va travailler la jambe de son adversaire. Ce qui fait que le combat est totalement du côté de Malenko. Et il place Armstrong dans le coin. Il fait un Tree of War. Enfin, il met à l'envers puis il accroche son pied pour qu'il reste comme un peu accroché. Puis il fait un beau dropkick dans le genou encore une fois. Fait que... C'est une façon cool de faire un dropkick dans le genou, c'est intéressant. Oui. Ben Malenko, yeah. Il y avait toujours la façon qu'il travaillait les membres puis ses prises étaient uniques, je trouve. Là. On n'en parle pas assez, mais c'est un des meilleurs workers techniques of all time. Oh oui, pound for pound, c'est un des meilleurs. Oui. Ouais. Et Malenko continue son travaillage de jambes, mais il perd la foule de plus en plus. Là. On voit que la foule commence à être genre bon, c'est plate, il fait juste des prises. Il fait juste des prises de soumission, c'est plate. Puis après ça, Armstrong boite.
porte avec évidemment sa jambe qui est blessée. Il va vers une botte de Dean, mais après ça, il l'attrape avec un beau power slam. Il réussit un beau missile dropkick et il fait à Demarco son propre finish, son Texas Cloverleaf. Il réussit après ça, évidemment, à toucher les cordes. Puis après ça, avec sa poussée, ben, il envoie Armstrong à l'extérieur du ring avec sa poussée avec ses jambes. Et après ça, ce qui arrive, c'est que Malenko va aux cordes. Non, j'ai dit ça. Et Brad monte aux troisième cordes, mais après ça, Malenko le rejoint. Il lui fait un gutbuster de la troisième corde. En fond, il fait juste il prend un fireman's carry, puis il drop sur son genou. Puis il fait ça, puis c'est suffisant pour remporter le combat et rester champion cruiserweight de la World Championship Wrestling. Excellent match. Point négatif. Tous les autres matchs d'avant avaient tué à la foule. Fait qu'ils n'ont pas apprécié c'était quoi de la vraie lutte. Ben, moi, je trouve que c'était un combat qui était bien. Je dis pas que c'était un match excellent ou très bon, mais ça avait de la job. Mais que c'était un peu slow. Là. Je suis d'accord avec la foule un peu que c'était slow par beaucoup de moments. Là. C'était, comme j'ai dit. La Cruiserweight, c'est pas la Cruiserweight qu'on connaît plus tard, là, évidemment. Là, c'est plus technique puis submission. Là. Non, je sais, mais je veux dire, c'est parce que tout ce que tu as eu avant comme match, c'était des 2, 3, 4, 5, 6 minutes. Celui-là, c'est le match le plus long à date. Là. Je l'ai devant moi. Deuxième match. Non, le premier match. 8-29. Fait que tu sais, 8-29, c'est pas si long que ça. Là. Non. Fait que, non. Un bon pace. Puis, écoute, Je pense que le match le plus long va être 10-41 dans 4. Fait que ça va être genre le troisième match le plus long sur 15. Ça rend du gros là, sur le show. Là. Quand même. Ouais. C'est ça. Puis la division aura un grand coup de pouce le mois prochain avec l'arrivée d'un certain lutteur masqué. Oh, Billy Kidman? Oui, en effet, Billy Kidman. Psycho 6? Ben non, évidemment, Rey Mysterio va arriver à la World Championship Wrestling puis il va changer la game littéralement. Ouais. Et après, Moi, j'allais juste dire le meilleur de tous les temps. Ouais, meilleur que Cruiserweight de tous les temps, en effet. Ouais. Pas grand monde qui la cote. Non. Et après, une vignette pour signifier l'arrivée de Glacier. Eh ben, hey boy. Meiji est de retour avec les Outer Girls pour terminer la pige, évidemment. Et après ça, les autres matchs sont décidés. Public Enemy contre Ric Flair et Macho Man. Et DDP. Et Barbarian contre The Bullyman et Rick Steiner. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on est en train de jouer à WCW Nitro avec des matchs random. Là, c'est... Wow. Ben là, c'est ça le tournoi, niaiseux. Ben oui, je sais, mais... Ben voyons. Il vient de s'en rendre compte, là, il est rendu au match numéro 10, tabarnak. Ça va pas bien, hein? Non. Ça va pas bien aller. Match numéro 10, Dirty Dick Slater. Je fais exprès à cette heure. Earl Robert Eaton contre Jeeves et Robert Parker, le colonel, contre Jim Duggan et Vicky Wall Street. Et Duggan et Wall Street se tapent entre eux autres et leur opposant fonce dans le tas. Et Wall Street fait son abdominal stretch et demande à Duggan de prendre sa main pour tricher. Et Duggan, lui, le refuse. Et après ça, on a une line de Duggan sur Slater pour un compte de deux. On a une collision entre les gars après ça. Ils font chacun leur relais à leurs partenaires respectifs. Et Eaton va au top, mais Wall Street le slam de là, un peu à la Ric Flair. Mm-hmm. Et puis ça, Wall Street frappe accidentellement Duggan. Puis Duggan, évidemment, ben, il prend ça plutôt bien. Et il frappe Wall Street en revanche, ce qui fait qu'il est ouvert à un roll-up de Eaton pour le compte de 3. Et l'équipe de Duggan et Wall Street ont éliminé, tandis que celle de Eaton et Slater passe. Eh oui, un mauvais perdant encore qui fait perdre l'équipe. C'est ça qui est arrivé, là. Un combat court et nul, à l'image habituelle de Duggan et IRS. Il n'est pas super Duggan! J'ai jamais dit qu'il était bon, Jim Duggan. J'ai dit qu'il était bon. Non, Alfredo l'a déjà défendu, pas moi. Moi, j'ai Duggan... Alfredo n'a jamais défendu Jim Duggan. Ben oui, il l'adore, voyons donc. Si, c'est un de ses préférés. Voyons donc. Il est au Canada, d'ailleurs, Jim Duggan. C'est vrai, ben il a problème de santé récemment, mais là, je suis content de voir qu'il est correct. Et c'est qu'il a fait quand même une couple de fois là, depuis un an ou deux là, qu'il va à l'hôpital. Là, c'est pas... Ouais. Profitez-en des moments avec Jim. Hein? Ouais. Je l'ai dit, profiter des moments avec Jim Duggan, là, parce qu'on sait jamais, là, parce que ça arrive souvent, là, c'est pas un bon signe d'habitude.
On lui souhaite un bon. On lui souhaite d'avoir beaucoup de bonheur et de construire sa vie le plus longtemps possible, M. Duggan. Et match numéro 11. Ben, t'as-tu dit quoi sur le match, toi, ou non? Ah, c'était très mauvais. Ouais. Ok, parfait. À l'image d'IRS puis Duggan. Non, Parfait, merci beaucoup. à l'image du show. Ouais, c'est ça, c'est ça. Match numéro 11, dans un match qui va être évidemment un classique. Public Enemy contre Ric Flair et Randy Savage, avec Liz et Woman évidemment dans leur coin. Et le match est un forfait après que Flair et Savage se battaient dans l'entrée. Ils ont été séparés par la sécurité de la WWE et Doug Dillinger, évidemment, le maître de la sécurité. Et Public Enemy vont en finale avec un match à voir absolument. Un classique qui a duré beaucoup de counters, beaucoup de pinfalls, beaucoup de kick-out à 2,5. Allez voir ça. On le comptera pas pour nos Match of the Night, ça. Ben là, non, là. On C'est bon, pourrait, si tu veux, c'était me dérange sarcastique. pas. OK. Et la rivalité entre Macho Man et Ric Flair va être coupée, malheureusement, après qu'évidemment l'arrivée imminente de la NWO à la WCW. Et évidemment, ça a fait que toutes les storylines qu'il y avait, ben, ont comme poigné le bord, puis c'est ça. Ouais, parce qu'il faut le mentionner, ça, hein, c'est le dernier show, dernier pay-per-view avant l'arrivée de la NWO, Deux ce pay-per-view. semaines après, c'est l'affaire avec Scott Hall qui arrive. C'est hot, Deux ça, semaines après, pareil. C'est historique quand même, là. Fait que si tu veux, on a comme reviewé le dernier show sans NWO, puis le premier avec évidemment Hogan qui fait son heel turn, Bash at the Beach Ben, j'ai 85, on l'a fait. Okay. Allez voir Mais ça si vous ne l'avez pas vu, justement. c'est fou quand même parce que on review ce show-là, puis on se cachera pas que ça va être c'est mauvais. Là. Puis Ouais. qu'après ça, tu rentres dans un air qui aurait pu mettre la WWF out of business carrément. Là. Non, ouais, c'était proche à un moment donné. Tu sais, c'est terrible. C'est... En tout cas, c'est Ça fou comment ça switch vite. Hein. aurait pas été Tyson, peut-être que ça a arrivé. Peut-être. Match numéro 12. Ça s'achève. DDP, Barbarian contre Bullyman et Rick Steiner et Kimberly dans leur coin, évidemment. Et Barbarian commence avec une botte sur Rick Steiner. Et après ça, il descend un autre, mais Steiner duck et lui fait une souplesse. Et après ça, on a un chin lock de Barbarian sur Rick qui tag Bullyman, mais le ref le voit pas. Et ordonne Bullyman de rester dans son coin. Ce qui laisse Barbarian lancer Steiner par-dessus la troisième câble. Après ça, on a un hot tag au Bullyman qui fait un highly à Barbarian, mais Page fait avec le save. On a un roll-up de Bullyman, mais l'arbitre est poigné avec Steiner qui veut lui dire qu'il se passe quelque chose avec la triche. Mais ça laisse Bullyman ouvert à Page qui fait un coup de coude derrière la tête de Bullyman. Et après ça, Barbarian fait le tomber. Et ils seront l'amateur royal, Barbarian et DDP, avec la victoire contre Bullyman et Rick Steiner. J'avais-tu mis une note pour ce match-là? Ben, c'était bien pour un petit match, c'était bien, mais ça, comme j'ai dit tantôt, ben sans plus, Ouais, c'est ça. C'est ben, tu sais, c'est parce que c'est quasiment des matchs de Dark, là. Je sais que ça n'existe plus à Star, là, mais là. Ouais. c'est. On parle de 5 minutes. T'sais, 5 minutes, c'est quand même long, mais c'est court aussi, là. C'est genre Sunday Night Heat, mettons, ben Saturday Night. Ouais, c'est ça. Fait que, bref. Ouais. Et match numéro 13, Conan contre Jushin Thunder Liger avec Sonya Onyeala dans son coin pour le championnat des États-Unis. Titre détenu par Conan. Et Mike Tenay vient à la place de Dusty Rhodes pour le combat. Après ça, on a un début rapide ici qui finit par aller à l'extérieur du ring. Sonya Onyeala donne des coups de pied à Conan qui ne vend pas. Après ça, il lui court après, mais Liger le pogne avec un baseball slide pendant qu'il est de son côté du ring. Pardon. Et après ça, il fait un beau toupé par-dessus la câble. Et après ça, le câble, pardon. Et un brainbuster lui vaut un compte de deux. Et après ça, Liger essaie de garder son adversaire au tapis avec des soumissions telles un cross-arm breaker à la Beto Del Rio, une planche de surf et un beau N-Arrow modifié. Et après ça, on a Conan qui revient avec une avalanche de coups qui fait réagir la foule qui avait grandement besoin. Et Liger fait une superplex et un splash par de Southern Cold pour un compte de deux. Un beau near fall pour Liger. Et après ça, on a un Fisherman Buster lui haut, un compte de deux. Et après ça, on a Conan qui attrape Jushin dans le coin et le plante avec un Alabama Slam pour un autre compte de deux qui était très proche.
Ouais. Après, on a Conan qui tente de finir avec Lager avec un crucifix bomb. Mais Lager contre ça avec un sunset flip pour deux. Et après ça, on a un Lager bomb pour un compte de deux. Un dégagement in extremis de Conan. Et après ça, Lager va au troisième câble et saute, mais reçoit les pieds de Conan en plein visage. Et le crucifix bomb s'ensuit. Et c'est terminé. Toujours champion aux États-Unis. Conan! Affrontement intéressant, puis ça paraît que ces deux-là se connaissaient. Écoute, c'est deux légendes respectives de leur pays, là, de leur place. Mm-hmm. Puis, il ne faut pas oublier aussi, hein, j'aime ça le rappeler, là, on y hésite souvent, nous autres. C'est le hasard, check arrière de moi. Et puis, oh, Lager en arrière. Ouais, la Lager, ouais. Mais on y était souvent avec Conan au primaire, puis dans la gang dans le temps, avec tous ses moves, tout ça. Mais Conan, ça a été le gars qui a amené des lutteurs mexicains puis Cruiserweight à WCW. C'était le contact de Rick Bischoff pour faire en sorte que ça a donné une couleur que personne n'avait sauf la WCW en Amérique du Nord. Là. Fait que, faut pas oublier ça. C'est un gros plus dans l'histoire de la lutte, Conan. Ouais. Puis évidemment, WWF a essayé de copier un peu le pas en 97. Ouais. Résultat mitigé. Des fois, il y avait des bons matchs, mais la division Cruiserweight, tu vas de Rey Mysterio, Kidman, Uvi, Psycho 6, puis l'autre bord, t'as genre Brian Christopher et Scott Taylor. T'sais, rien contre eux autres, là, mais c'est pas des Cruiserweight vraiment. Là, ils sont petits. Ouais, ils ont le poids. T'avais Taka aussi. Ouais, mais c'était le seul, pretty much, qu'il y avait. Fait que... C'est vrai. En tout cas, ouais. Fait qu'après ça, évidemment, c'est un très bon combat. Puis, tu sais, évidemment, je suis pas un très grand fan de Conan à la base. Là. Pour vrai, c'est pas. Il n'y a pas grand chose de lui que côté in ring, je parle. Là. Le côté charisme, il l'a, évidemment, arrive à la race et tout ça. Là. Mais côté in ring, je le trouve botchy souvent. Puis, on dirait que c'est ce qu'il fait, il n'a pas d'impact. Mais ce combat-là était très bon. Fait que je vais lui donner ça, même si c'est pas mon préféré. Il a très bien fait dans ce combat-là. Moi, je trouve que c'est son style botchy qui fait son charme à Conan. Ouais, peut-être. Ouais, mais je suis pas en train de dire qu'il est dans mon top 100 des lutteurs, mettons. Non, j'espère que non. 200. Puis, ouais, c'est ça. Et Conan va rester champion jusqu'à justement Bash at the Beach quand il va perdre le titre contre Nature Boy Ric Flair. Ouais, hein? Ouh, tout un match pareil. Pour plus de détails, allez voir ça. Le review qu'on a fait de Bash at the Beach, évidemment, encore une fois. Interview time avec. Ah, je l'ai pas. Okay. Michelle O'Cullen! Woman, Elizabeth, Arn Anderson, Eric Flair! Son enfant sont au début de l'entrée. Et Flair dit que sa vie a été emprisonnée et qu'il s'en va se faire soigner demain pour ses problèmes mentaux. Et après ça, Flair parle du sportif qu'il va avoir un bâton rouge ce soir. Oh yeah! Il parle de Mongo et le challenge à trouver un autre joueur de football pour le challenger, lui et Arn Anderson. Évidemment, Mongo, c'est Steve Mongo McMichael. Ouais. Et après ça, Mongo arrive et il présente son partenaire Kevin Green des Panthers de la Caroline à l'époque. Et il est plein d'énergie. Et évidemment, encore, on a le spécial, les officiels qui arrivent pour séparer tout le monde. Mais on a un match de cet été pour le prochain pay-per-view, Grand American Bash, un combat par équipe entre, évidemment, Anderson, Flair, Mongo et Kevin Green. Et dans le combat, Kevin Green va se faire tourner par son partenaire Mongo qui va joindre les Four Horsemen après avoir eu une valise pleine de cash. Ouais. Donc voilà. Moi, je trouve ça un peu ordinaire, là, le gars qui amène un partner pour l'aider, puis il screw en bout de ligne. Là, je trouve ça un peu cap, là. Ben, ça fait comme si, mettons, Mongo voulait screwer depuis le début l'autre, mais il voulait faire une grosse mise en scène, tu sais. Ok, tu parles que ce soit Mongo à cause que c'est lui qui l'a amené, puis c'est lui qui screw, c'est ça? Ouais, l'autre, il vient l'aider pour être ton partner, puis c'est lui qui screw, tu sais. Le contraire était mieux, mettons, là. C'est ça, tu sais, l'autre vient l'aider. Il l'a acheté avant. Ouais, pourquoi que l'autre vient l'aider? Ben, parce qu'il veut l'aider, tu sais, parce qu'il veut, il veut le crosser, tu sais. C'est bon, en temps, c'est un nitpick, là, c'est pas comme si c'est la fin du monde. Fait que, bref, on est rendu au match numéro 14, l'avant-dernier. Avec la Battle Royale Lord of the Ring, avec tous les gagnants du Battle Bowl. Scott Norton, Ice Train, Earl Robert Eaton, Flyboy Rocco Rock, Johnny Grunge, DDP, Barbarian, il y a manqué Dirty Dick Slater. Oh, yes.
Et le gars de ce combat gagne une bague, il y a un title shot au Great American Bash. Plus de détails plus tard là-dessus. Et DDP passe proche de se faire éliminer par une Buddy Barbarian, mais ses pieds ne touchent pas au sol, il reste dans la bataille. Et après ça, on a Rocco Rock qui est éliminé en premier grâce au barbare avec un backdrop, quand l'autre l'a chargé. Et après ça, on a Slater qui élimine Eaton, après ça, qui frappe le colonel Robert Parker à l'extérieur du ring. Et après ça, Slater s'élimine lui-même pour aller régler le compte à Eaton. Et il est out. Et après ça, c'est au tour de Scott Norton de se faire sortir par un backdrop de Diamond Dallas Page. La crasse. Voilà. Et DDP finit par faire un Diamond Cutter à Grunge, à Ice Train et au Barbare. Il compte Grunge et Train, et pour un compte de 3 les deux. Mais Barbarian lui dégage à 2. Fait que, son plan n'a pas marché. Et après ça, on a Barbarian qui plante Page au tapis avec un Tombstone pour un compte de 2 avec un très bon pop sur le move. Et après ça, on a un Sleeper du Barbare que DDP casse un coup de pied de mule dans les parties. Et après ça, on a Barbarian qui vient avec un beau Powerbomb pour un autre compte de 2. Et après ça, malheureusement pour le Barbarian, il manque un coup de tête de la troisième corde. Et un coup de diamant finit ça pour DDP, gagnant du Battle Ball et du Lord of the Ring. Merci, thank God. La bataille royale était pas mal dolle et plate, mais la partie entre avec Barbarian et DDP, je trouve qu'il y avait. Tantôt, il parlait tantôt qu'il y a une bonne chimie en équipe, mais un contre l'autre aussi, il y avait une bonne chimie les deux, je trouve. Ouais. C'est pas Steamboat Savage, là, mais ils travaillaient bien ensemble, je trouve. Mais Barbarian, c'est un vétéran, c'est un professionnel qui prend ça au sérieux, puis je suis pas sûr que working DDP, ça doit pas être plate, parce que c'est un gars qui a beaucoup d'énergie, puis que soit heel, que soit face, la foule est jamais indifférente à DDP dans sa carrière. Là, fait que ouais. Ça devait être le fun, working DDP, no matter what. Ouais. Fait que voilà, puis en fond, j'ai parlé plus de détails tantôt, mais évidemment, le Battle Bowl, ça a donné un title shot pour le ceinture au Great American Bash, mais DDP a été strippé du titre le lendemain après qu'une reprise a montré que son pied avait touché à terre quand j'ai dit tantôt au début du match qu'il était presque éliminé. Et son pied avait touché à terre, il a montré la reprise. Fait qu'il a perdu la bague, son title shot au Great American Bash. Fait que tout ce qu'on a vu tantôt, tous les matchs, là, ouais. Le tournoi, le Battle Royale, les partners qui s'assinent ensemble, ouais. Tout ça pour fuck all. Because WCW. Ouais, puis là, tu vois, pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder les notes de show qu'on a donné parce que je veux un comparatif. Puis, parfait. Je suis là. Je suis à mon comparatif. Parfait. Je sais exactement où je m'en vais avec ça. Peux-tu me dire combien on a donné à Cody and Hell, please? Cool. Ouais, toi 5, moi 4.5. Je suis très hâte. Fuck. Là, je peux pas changer mon pic, là. Je vais dire ce que j'ai marqué, là. Ah ouais, je me rappelais pas du score, ok? Parfait. Ouais, fait que, passons à l'interview time avec Michel O'Cullen, Jimmy Hart et le Giant. Et Jimmy est paniqué au fait d'être attaché avec Lex Luger avec des menottes à l'extérieur du ring pour le combat. Et après ça, on a le Giant qui dit que Sting peut avoir faim et de vouloir prendre ce qui lui appartient, le titre. Mais ça arrivera pas. Il va s'occuper de Sting et de Luger, même Mick Jean s'il aime pas ça. Et gagner, gager sur lui si vous voulez gagner gros, finir le Giant. Évidemment, le Giant, ceux qui savent pas, c'est Big Show. Je le dis pareil. Que faisait Scott Hall tout le temps. Et on a Michael Buffer pour les présentations du match numéro 15. Sting avec Lex Luger contre le Giant avec Jimmy Hart pour le titre de la WCW. Et Luger et Hart seront menottés ensemble à l'extérieur du ring pour pas qu'il y ait de marde et d'interférences. Et Sting essaie de commencer. Le but du match, dans le fond, c'est que les commentateurs demandent est-ce que Sting peut truster Luger vraiment. Puis ils disent c'est ça qu'ils parlent beaucoup dans le match. Mais avant le night show, avant le pay-per-view, ben Luger, il a comme dodge un bullet pour Sting. Il a mangé un chokeslam sur une table pour pas que Sting le mange. Fait que c'est comme genre, il l'a sauvé pour qu'il fasse confiance. Ouais. Puis, on va voir si ça change quelque chose dans le match. Et,
On a Sting, il essaie de commencer ça en face avec un crossbody, mais c'est ineffectif, pardon, quand son corps rebondit sur celui du Giant puis tombe à terre. Ça, c'était trop, c'est pas ça, bien hot. Dead Freeze. Wow. Et le géant ne ressent rien de ce que le Stinger lui donne, incluant un Enziguri. Et Sting veut slammer le Giant, mais il croule sous le pas du champion. Et ça fait un compte de deux pour le Giant. Et ça commence évidemment l'over du Giant qui s'en prend aux côtes de l'homme qu'on appelle Sting. Et après ça, on a Jimmy qui essaie de convaincre Luger de revenir avec lui, mais il n'est pas intéressé. Et essaie de mettre la foule dedans en tapant sur l'apron pour qu'il encourage Sting. Et à l'extérieur, le Giant veut faire un chokeslam à Sting sur une table, mais Luger met Jimmy sur la table. Fait que là, Giant fait « Ah, oh, fuck, je peux pas, mon manager il est dedans. » C'est drôle parce qu'il met Jimmy dessus, puis Jimmy fait juste à bouger les pieds. « Là, ah, non, c'est pas ça! » T'es cœur, hein? Non, baby, non! Et un peu plus tard, Sting knock l'arbitre avec un coup de coude. Tu sais, le fameux genre « Je vois pas l'arbitre. » Et après ça, on a Sting qui run wild sur le géant avec des Stinger Splash pendant que Giant est pogné sur le coin en planche. C'est sur ça là, cool comme visuel. Là. Il est pogné et il fait des Stinger Splash dessus. Là. Et après ça, on a Lex et Jimmy sont sur l'apron, mais le Giant pogne Lex par la gorge. Puis pour qu'évidemment il lâche la prise, ben Sting fait des Stinger Splash au Giant pendant qu'il est debout. Ça prend trois shots avant qu'il lâche finalement. Et après ça, on a eu... après ça, évidemment, sur le dernier, dans le fond, Jimmy Hart est sur le... Il se met sur le bord par Luger. Par Luger, et ouais. Sting veut faire un Stinger Splash sur Jimmy Hart, mais Jimmy Hart se tasse, fait que Sting, il tombe sur le coin qui est là, malheureusement pour lui. Ouais. Sauf qu'après ça, Sting, il va, puis il tombe, il fait le spot où ce que le gars tombe d'un gosse de l'autre, là. Avec le Giant, fait que c'est comme un double down si on veut. Là. C'était bon. Le changement, c'est correct. Correct. Ouais. Après ça, Sting va au top et réussit un splash. Un, deux. Mais Giant dégage tellement fort qu'il kick out. Fait que quand il fait ça, ben, il pousse Sting, il tombe sur l'arbitre, encore une fois, pauvre lui. Et après ça, on a Jimmy qui essaye de faire entrer le mégaphone dans la mêlée. Mais lui et Lex on se bataille pour l'avoir. Et pendant ce temps-là, Sting fait son Stinger deadlock. Oui, j'ai compris la référence. Ok, parfait. ouais. Sur le Giant, Luger tire sur le mégaphone et ça atteint Sting en pleine face. Et ça le rend à la merci du Giant qui lui fait un choke slam pour gagner le combat et rester champion de la WCW. Yes, sir! Je trouvais que c'était un main event qui était le fun. C'était pas excellent, mais c'était le fun à regarder puis c'était pas mauvais. Ouais, il y avait beaucoup de moves à répétition, mais en même temps, Sting et le Giant ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Puis, Giant, ça fait pas longtemps qu'il luttait à ce temps-là. Ça faisait même pas un an. Ouais. Il avait battu Hogan, hein, lui, pour sa belle. First night on the job, il avait battu Hogan. C'est ça. Ouais, c'est fou, ça. Pareil. ouais. Fait que toi, le main event? Ben, tu vois, j'ai mettons, quand on va parler de nos matchs of the night, j'hésitais parce que... Les nombreux matchs of the night, tu veux dire? Ouais. C'était divertissant. J'aime beaucoup Sting, Giant aussi. Il est le fun à regarder à WCW, c'est différent. Beaucoup d'action. Mm-hmm. Qualité, pas là, mais... mettons que ça m'a réveillé de tout le show, parce que le show, fuck, man. 15 matchs, 3 heures. Tabarnak, c'était long. C'était fucking long, pour vrai. Je t'ai haï, Esti, c'était long. Ah, on est quitte. Ok, parfait. Attends. Ben moi, la différence, c'est que moi, je suis pas exprès, toi. Tu savais pas. J'ai pas vu le joueur, le concept. J'ai pas vu les matchs, moi, là. Ok. Je pensais que tu connais. T'avais jamais vu le show avant, non? Non. Je pense pas. Non, ok. Non, j'ai jamais vu le show là avant, non. T'es fou dans la tête, okay, non? J'espère. T'es malade dans la tête, toi. Voyons, t'es malade. C'est lui, tu vois bien que c'est lui. T'es fou. Ouais. Ouais. Fait que la storyline qui est ici, que est-ce que Sting peut faire confiance à Luger? Ben, l'histoire va être droppée, évidemment, avec l'arrivée de la NW. Quoique, ils vont revisiter ça pas longtemps après, là, quand que Sting va tourner contre Luger pour aller avec la NW. Puis que Luger a accusé Sting en disant « C'était toi, je t'ai vu, c'est toi qui m'as attaqué. » Puis ça, évidemment, ça fait boule de neige, ça a monté jusqu'au fait que Sting est devenu Crow Sting. Puis l'histoire est connue après ça. Fait que voilà, après ça, on a Tony, Bobby et Dusty qui discutent du main event. Dans le fond, t'as
Il y a Tony puis Bobby qui sont du bord de Logan en disant que Sting peut le truster. Puis il y a Dusty Rhodes qui dit « Ouais, moi, je suis pas sûr. Penses-tu vraiment que Jimmy Hart est plus fort que Lex Luger pour tirer quelque chose de ses mains? » Bon point, là, mais t'sais, c'est jamais. Fait que, après, lui, plus fort maintenant que des jambes, en tout cas. Ouais. Ouais. C'est quoi, puis tu dis? Après ça, on a quelque chose qu'on a pas, ben, qu'on avait plus à la WCW à l'époque, mais on a un générique pour finir le pay-per-view. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Quelque chose qu'on voyait jamais WWF. Là, on voyait vraiment la marque à la fin, là, mettons, ouais. Copyright, tout ça, mais on voyait jamais genre producer, caméraman, tu sais, parce que la WCW, on le voyait. Fait que, je trouvais ça un genre de fun fact, dans le fond. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Même moi, quand je l'ai vu, ça m'a surpris. Je fais comment, ouais, ils font ça. Ouais. Ouais, puis tu vois, là, tu vois Eric Bischoff, tu vois ouais. les gars que tu connais, Doug Dillinger, tu vois plein de noms de même. Là. Tony Schiavone, il apparaît une couple de fois aussi, il faisait beaucoup d'affaires là, pour eux autres, ouais. Côté Tony mixage. Tony Schiavone, une petite carrière, ce gars-là, c'est fou. Une légende. Ouais, légende vivante. Ouais, fait que voilà, et on est rendu... Match of the night! Tu t'y allais avant? Je peux bien, ne me dérange pas. J'ai donné mon match of the night pour Slamberry 96 à Conan contre Jushin Thunder Liger. Ok. C'est bon, on a le même match. Parfait. Ouais. Worst match, j'ai tu commences. J'ai hésité avec le dernier un peu parce que il était bon aussi, ouais. Dans le main event, là. Mais match, qualité match, Conan contre l'autre, c'était contre Liger, c'était vraiment meilleur. Mon worst match of the night, moi, ça va au premier match. Roar Hawk puis Lex Luger contre Booker T puis OK. Ouais. Moi, ça va à Duggan puis Wall Street contre Eaton et Slater. Ouais, on sait bien tout. Hein. Toi, on sait bien Luger, tu peux avancer le clou, hein, c'est sûr, toi, avec. Ce qui est bon pour tout est bon pour Minou. Là. fait que c'est tout. On n'a rien d'autre à dire à part ça. La note, mon cher.
Tu veux ce que tu veux dire en premier ou... Ouais, vas-y, veux... on va regarder bien comme cliffhanger, c'est bon, vas-y. Tu fais le tien en premier. 4 sur 10. OK. Je vais te donner... Oui, vas-y. J'ai été généreux. J'ai été généreux, t'as marre. Ouais. OK. Match numéro 5, c'est ce que je dis là. on recommence. Je donne à Slamberry 96 la note de 5 sur 10. Fait que tu vois, et j'ai donné la note de Cold NL, puis je ne me rappelais pas tout que j'avais donné ça à Cold NL. J'aurais donné moins. Moi, j'ai donné 2 ou 4.5 sur 10. Dans ce que j'ai vu, là, j'avais donné Cold NL, puis j'avais donné Halloween avec 95, 4.5 sur 10. T'as pas donné 4.5 à Cold NL? Ouais, ouais. Ah ouais? Okay. Un peu, là. Je l'ai dit encore, je l'ai ici devant moi. Ah, fuck. C'est mon petite affaire. Mais oui. Pas grave. OK. Bref. Ouais, fait que, écoute, un show dégueulasse à regarder. J'ai vraiment pas apprécié. Regardez-les pas. J'ai... Non. Zéro. Même pas... non, rien. Il y a autre... Même si le vous meilleur voir... match, je vous conseille pas. Puis si vous voulez voir, mettons, Battle Bowl, que ça a l'air, il y a d'autres shows avant ça qui ont fait, là, 92, 91, 90, là, ils l'ont fait avant. Fait que c'est des meilleurs shows à les voir que pour voilà, le concept. Ouais, les deux premières éditions étaient intéressantes. Ouais. De ce que ouais. J'ai lu. Fait que là, on est supposé faire un quiz, non? Ben oui. OK, bouge pas. Tu l'as-tu? Pendant ce temps-là, tu pourrais peut-être parler d'un un tournoi à saison en ce moment, non? Ben non. OK. Tu vas bien on the spot, on peut pas en parler là, on va faire une autre affaire plus tard. Ouais. Ok, parfait. Fait que voilà, Slumber 96, comme dit tantôt, ben, je vous suggère pas d'aller le voir. Il n'y a pas grand match de bon. Genre un et demi qui sont bons. Là, fait que allez pas voir ça. Puis allez pas voir Cold NL non plus, tant qu'à être là. Fait que voilà. Non, Cold NL, c'est dégueulasse. Ok, il y a un match de bon, puis c'est tout. Là, je devrais être correct pour le quiz. J'espère juste que je me suis pas trompé de cahier. Parce okay. Que je suis parti sur la route, mais je pense que non. Je pense que je pas ben, au pire, si tu tombes de cahier et tu as des questions de quiz dedans, c'est pas grave. Ouais, non, si j'ai pas de questions de quiz, si j'ai pas le cahier. Ok. Mais, je crois que je vais être correct, cher ami, on va pouvoir voir. Puis je me souviens, je m'avais laissé des notes sur le quiz, comme quoi, il fallait que tu aies au moins 7 sur 10. Non, que tu allais avoir 7 sur 10. Ça, c'est la dernière fois que tu m'avais dit ça, non? Non, c'est là, là. Allez, celle-là aussi, Chris. Ouais, mais là, peut-être que tu peux plugger nos prochains rendez-vous en attendant, mon cher, parce que je le trouve pas. Bon. Ben, prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, où on va avoir la chronique Rose, avec Marilyn Rose, qui va être là avec nous pour parler de son sujet pour ce mois-ci. Les retraites à la lutte, enfin, ceux qui nous ont quittés au Québec, avec quelques exemples qu'elle va nous concocter. Puis nous autres, on va réenchaîner avec nos connaissances sur les retraites, évidemment, de lutteurs actuels, des ligues américaines majeures. Mm-hmm. C'est les Terry Funk, les Ric Flair, les Shawn Michaels, les gars comme ça. Alors on va parler de ça avec Mary Rose la semaine prochaine. Puis après ça, ben c'est un tout autre mois, avec un mois pas totalement consacré à Bray Wyatt, mais pas loin. Parce qu'on va faire deux aujourd'hui dans l'histoire. Un qui n'a pas à voir avec lui, c'est avec Bret Hart qui revient avec la Hart Foundation à Raw 97. Et l'autre, c'est évidemment la famille Wyatt débarque à Raw en 2013. On va voir ça dans l'histoire. Évidemment aussi, la biographie sur Bray Wyatt lui-même qu'on va faire pour le mois d'octobre. Fait que voilà, mois d'octobre et cet été. Puis on va vous en parler. Bon, on va vous en parler. On en vient de le faire, mais à surveiller prochainement sur les réseaux sociaux. Je l'ai, mon cher TJ. T'es-tu prête? Et avant même, en amont, je vais te le dire. Et en amont. Ça va être un quiz. Il va y avoir un thème pour ce quiz-là. OK. Là, tu vas me dire que tu es un mois en avance. 2 mois même, pas grave. C'est un quiz thème Survivor Series. I like it. All right. OK. Parfait. Question numéro 1. Quel est le match de Survivor Series le plus court de l'histoire? Et c'est un single match. Si tu peux me dire le nombre de temps que ça a duré, tu peux me le dire aussi. Ben là, je pense pas retrouver ça, là. OK. Oh. C'est un one-on-one match? C'est pas un combat 4 contre 4?
Non, c'est un one-on-one match. Fuck, j'avais un choix, c'était 4 contre 4. Toi. Ça peut être... C'est gros, là. Je pense pas que tu vas le trouver, honnêtement. Là. T'as pas un indice pour me donner pas trop évident, là? Ils ont déjà été dans le même clan. Oh, shit, how the fuck am I supposed to know that? Je pourrais te donner un autre indice. Je pourrais te dire ils ont déjà été dans le même clan. Ah, je pousse par exemple, si je te le dis. C'est quoi le ball game d'année, mettons, là? C'est un peu, juste pour être... 98-99, mettons. Oh, ben, le match, je sais pas si c'est dans cette année-là, mais dans leur clan, c'est dans ces années-là. OK, 98... J'ai aucune idée pour vrai, j'ai aucune assistance. Il y a un des deux lutteurs qui a déjà été à WCW. L'autre, non. L'autre a toujours été à WWF. Qu'est-ce qui se passe là? T'as rien checké sur Google, mon esti? Non. J'ai monté ma batterie était faible, j'ai chargé, puis ça m'a donné un autre écran. Je sais pas pour vrai, j'ai aucune assistance. C'est de quoi? Mankind contre Kane, je sais pas. Non, c'était The Rock. Contre Big Boss Man. Ah, oh, le Deadly Game? Ouais, ok. 4 secondes. Ouais, il est arrivé au roll-up, c'est vrai. Mm-hmm. Ok, c'est ça. Ouais. Fait qu'ils ont déjà été dans corporate. Dans corporate ensemble. Dans corporation. Corporation, ouais. Ouais. Ok, numéro 2. Nomme-moi le seul match de style Survivor Series match qui a eu lieu en 92. Survivor Series 92. C'est le seul. Match de type Survivor Series qui a eu lieu. Là-dedans, il y a du monde que j'aime bien. Et il y a du monde qu'on a déjà fait les biographies. C'est Money Inc., les Beverly Brothers, contre les Nasty Boys, puis Natural Disasters. Et c'est une mauvaise réponse, mais t'étais très proche. C'était Nasty Boys... Nasty Boys et Natural Disaster contre Money Inc. et High Energy. Mais non, c'est impossible ça. C'est pas Energy le nom d'équipe, mais non. Energy c'est des babyface, c'était pas avec eux autres. Non, c'est impossible. Ouais. Attends un peu. Non. High Energy c'était impossible, c'est un tactique de babyface, c'était pas avec des heels. Attends. C'est pas Slammery 96 là. Attends. C'est sûr que c'est des Beverly. Ça se peut que j'ai. Inverser deux questions parce que je l'ai pas sur mon téléphone, mais je vais regarder parce que je vais donner le bénéfice du doute. Tu vois, moi je suis pas je suis pas dans la controverse. Ben, je veux bien croire, mais. Ah, ok, c'est ça. Je pense que je me suis trompé. Ok. Ben, la question non, numéro 3, je sais c'est quoi d'abord. Attends. Mais voyons, toi, je me suis trompé d'année, je pense. Ben, attends, je peux checker vite fait moi aussi, là. Non, parce que, attends une minute. Survivor Series 92, c'est Ed Shrinker. Qui ont battu High Energy. Oui. Ah non. Ça peut. Non, je suis à attendre de money. T'as raison. C'est toi qui as raison. Mais c'est okay. Ça, je me suis trompé de le premier match de la soirée. C'est pour ça que. Moi, ouais, t'as raison. Ah, m'excuse. Ok. Bah, m'excuse. Et à coup pas, tu l'as eu. Bonne réponse. Merci. Yes. Mon Dieu, j'ai eu chaud. OK. C'est pas grave, là. À la limite, là. Survivor Series, ouais, c'est mieux de dire que c'était pas ça, puis finalement perdre un quiz, mettons. Ouais, genre. Survivor Series 1999, qui était l'opposant de Kurt Angle? C'était Meat, Sean Stasiak. Bonne réponse. Mm-hmm. Toujours Survivor Series. En 2009. Oui. Quelle était la stipulation pour le World Heavyweight Title entre Undertaker, Big Show et Chris Jericho? Stipulation. Mm-hmm. Question numéro 4, on le rappelle. Deux bonnes réponses sur trois pour TG jusqu'à maintenant. Stipulation ou le type de match, mettons, là? Ben, le type de match, c'est une stipulation. Ok, ben, handicap match?
Non, mais attends un peu, là, t'as peu. Le match, juste pour te remettre en contexte, le match, c'est un, le World of War Titles, c'est un triple trip match. Ouais. Il y a une stipulation à ce triple trip match. Fait que, mettons, exemple, un combat de cage, mettons, c'est ça? Exemple, mettons, ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment sur un combat de cage, pour vrai. Je vais t'aider, c'est pas un combat de cage. Ouais, je m'en doutais, là. Je sais pas, moi, un false count anywhere. Mauvaise réponse, c'est un triple trip submission match. Ah, ok. Ouais. Puis, avec Big Show. Ça devait être un très bon match. C'est Big Show, je pense, qui avait... non, c'est Taker qui avait gagné. Ouais, avec, sûrement. Hellsgate sur Big Show, je pense. Ouais, il était ensemble, Jericho Big Show, en ce temps-là, non? Ouais, Jerry Show. T'attends Jerry Show, ouais, c'est ça. Question numéro 5. En 2015, sur Arrow Series toujours, qui ont battu, en fait, qui les Brothers of Destruction ont battu dans un tag team match sur Arrow Series 2015? Oh, mais attends, oh, c'est tricky. C'est qui, Scarlett? C'est-tu? Ouais, oh. Un peu. Ouais, c'est un peu tricky. Ouais, c'est tricky parce que je sais c'est quel clan là, qui se battait contre. Là. Mais je sais c'est pas qui? Si c'était. C'était les Wyatt, non? Ouais, mais ils sont trois, les Wyatt. Peut-être. Mais c'est ça l'affaire. Je sais pas si c'est Harper Wyatt ou Harper puis Rowan. Ah, oh, si, ouais. Ça va me fucker dans ma tête, ça. Harper puis Wyatt? C'est une bonne réponse! Ah, oh, yes, parce que j'étais pas sûr. Ouais. Je répète Rowan puis Harper. Ouais, mais c'est rare que. Avec quand c'est un tag team. Avec Brick Facebook, je me pourrais affronter, là. Ouais, mais c'est ça. Je me suis dit, c'est le tag team normal, peut-être qu'ils vont lutter contre. Mais, ouais. Mais d'après moi, vu que c'était Taker, puis Kane a un gros show, c'est pour ça que Bray était dans le match. Ouais, ouais. Puis il est arrivé contre Taker, justement, avec ça. Avec ouais. C'est-tu avant le match de WrestleMania ou après? C'était avant, ça, je pense. Avant qu'il se batte à Mania contre, ok. Ouais, parfait. Il me semble. Okay. Question numéro 6. Quel était le main event de Survivor Series 2019? Mande-moi 91, 2019. c'est calme, c'est vrai. Je peux te dire, je pourrais te dire le type de match, peut-être pour t'aider. Hein? Ouais, donc. Triple trip. Non, mettre pas Triple plus. Threat. Trouver un autre gars de plus, ça va être pas plus pâté. Tu sais que trois personnes, le gars. Ouais. Ok, je sais que ça, t'as eu un, deux, trois. On va prendre un guess. C'est pas le Shield un contre l'autre, là. Ambrose contre Rollins contre Raw contre Reigns. En 2019? Ah, j'avoue, hein. Ça, c'est bon, enfin, j'ai aucune idée, je vais dire ça pareil. Non, le main event, c'était. Shayna Baszler contre Becky Lynch contre Bayley. C'est les trois championnes des trois brands. Oh ouais, non, je sais, la soeur, tu le dis, là, mais. Ouais. Okay. C'est ça. Mais c'est tricky comme. C'est... Ouais. Shayna qui avait gagné, hein? Ouais. NXT. Hey, la fin dans ce temps-là était bookée comme du monde. En 1997, ça, tu devrais l'avoir. Qui était dans Team Shamrock? Team Shamrock, c'était Ahmed Johnson puis Legion of Doom. Puis? Mais Ken Shamrock? Bonne réponse. Faut juste Ken Shamrock quand c'est Team Shamrock, ben, il est dedans. Ben oui, je peux pas croire. Mais... Ça aurait pu être Team Coachman puis il l'autre pas maintenant. Ben en même temps, c'est déjà arrivé un match que c'était Team Foley contre Team Ziggler puis Foley était pas dedans. Okay. C'est ça. Hey, Dolphin, c'est dommage. Cool. Ouais. Question numéro 8. Oui. Oh. Survivor Series 2013, quel était le match pour le titre intercontinental? Si, ouais, c'est sûr. T'as... Si t'as ça, là, non, vas-y, je t'embrasse, mais non. Pas sûr que tu veux l'avoir, de toute façon. Survivor Series 2013, ouais. C'est, là, c'est un singles match. Là. Singles match, juste pour la belt, c'est tout. Survivor Series 2013, pour l'intercontinental. Ben, je peux pas vraiment te donner d'indices. Ben oui, tu peux. Pour le moment, les deux luttent pas. Oh, ben là,
mais pas plus. Là. Ça me mélange plus que d'autres choses. Les deux luttent plus. Il y en a un qui est encore à WWE, puis l'autre qui est plus là. Je sais pas. On va dire Biggie contre. Tu vois, j'ai oublié le nom d'autre gars que je voulais dire. C'est calice. Biggie contre Wade Barrett. Ben non, il est là, Wade Barrett. Laisse-moi, j'ai rien dit. Vas-y. Mais j'ai dit, c'est correct. Ah, c'est ça ton match? Ben là, je peux rouper. Santino, puis je sais pas, moi. C'est Ryback, puis Kalisto, je sais pas. Écoute, j'ai eu peur parce que t'en as eu un, puis c'est Biggie. Ah, Biggie contre Curtis Axel? Ouais. Ah, c'est ça, j'ai pensé en plus, je dis, ah non, ça ne va pas être ça. Ouais. God damn. Mais déjà que t'es capable de dire Curtis Axel. Quand même pas payé, hein? Ah ouais, c'est fort, j'avoue. Ouais, les pièces puzzle sont là, mais pas dans le bon ordre. Survivor Series 2005, il y avait un match de type Last Man Standing. Quel était ce match entre les deux pugilistes? Et à date, 4 sur 8. Wow. Indice? Ouais. Je peux pas vraiment te donner d'indice. En 2005, Last Man Standing. Ah non, je peux pas te donner d'indice. Il y a trop de... Ouais. C'est dur. Ah, je pourrais t'en donner un parce que je me sens généreux. Tu sens lousse. Ils ont déjà été dans le même clan. Triple H puis Randy Orton? Non. Et c'est une mauvaise réponse. Ouais. Triple H puis Ric Flair. Ah, j'ai encore eu un saut de deux. Ouais, c'est fou pareil, hein, t'es vraiment proche. Je suis tout le temps proche, mais calice. Voilà. Et dans la dernière question, donc 4 sur 9, est-ce qu'il va y avoir 50%? La moitié? Ouais. OK. Une superstar qui avait pris sa retraite et qui est revenue lors des Survivor Series 2006. Et, petit indice, cette superstar-là a refait d'autres matchs par la suite après son retour un peu plus tard. Mais il n'y a pas beaucoup de matchs par après, par exemple, ça, non? Quelques-uns. Pas énormément, mais quelques-uns. Puis tu peux même étaler ça sur quelques années. C'est une légende, mettons, si peux-tu? Ben oui, c'est une légende. OK. Mais je pense pas que tu vas l'avoir, honnêtement, mais je pense quand même tricky dans le sens, pas tricky de nom, mais tricky de légende. Ben même pas, c'est pas à dire, mais non, c'est pas ça. Bref. Vous avez ça. On l'a revu, on a vu cette légende-là récemment. Là. Pandémie à aujourd'hui. Je sais pas, j'ai aucune idée. Ouais. Dans des matchs, là, dans un match, dans des segments, tout ça. Ouais. Là, maintenant. Hein. Maintenant, ouais. Ric Flair, je sais pas. Non! C'était Lita. Ouais. Ben, c'est une légende, Lita, là. Ouais, je sais, mais moi, dans ma tête, j'avais pas combat féminin dans la tête pour une affaire dans même. Non, je sais. Mais c'est oui, c'est Lita qui a fait son retour et est revenue. Elle a fait plusieurs trucs par la suite. Cette année, l'année passée, elle était là aussi, je pense. Hein, mais elle a fait quoi comme match en 2005? En 2005 ou 2006? En 2006, tu veux dire. Un peu, je l'avais pas noté, mais je pourrais te le dire. C'était-tu un singles match ou... Je pense que oui. Un peu. On va aller voir. Sometime to Rose now.
Ah non, c'est son match de retraite, dans le fond. Ah, c'est un service 2006. Non, c'est son retour. Ah Non, non, elle a this is perdu my... contre Mickie le James. Mickie James. Ça dit this was Lita's retirement Ah match. ouais. C'était pas son retour, c'était son match de retraite, excuse. Ouais, je me suis trompé. Deux fois, je me suis trompé Ah, dans le quiz. ma répète Ben, je aidé, l'aurais un pas eu petit peu pareil, là. plus. Ben, peut-être un petit peu plus, là. Tu penses? Ben oui, sûrement, mais c'est pas grave, au pays, regarde, c'est pas grave, ça dérange pas. C'est un quiz de même, je suis pas contre quelqu'un d'autre, je suis contre moi-même, fait que c'est correct, c'est pas grave. Je te donnerai des bonbons. Au pays, t'as-tu une autre question, quiz rapide, non? Oui. Ok, vas-y. OK. Toujours de type Survivor Series. Un petit peu, pendant que je fais une recherche. Oui. C'est important de C'est faire bien ces important. recherches. Oui. T'aimes-tu mieux que j'aille du côté féminin ou masculin? Masculin, puis pour juste faire les 2000 et quelque chose. Des quoi? Pour faire 2000 et quelque chose. Tu peux faire en bas de OK. ça. OK, ça va être 2012. Ben, c'est pas vraiment en bas de ça, mais bon. Oui. OK. Dans le Oui. pre-show de Survivor Series 2012, qui ont battu 3MB alors composé de Slater et Jinder Mahal accompagné par Drew McIntyre? C'est fou pareil quand tu penses à ça. Qui c'est qui avait battu dans le pre-show? Combat Fait par que c'est équipe. Drew, l'ancien champion du World, qui était, d'après ça, qui est le plus gros star, qui était le manager dans ce combat-là. Manager dans le pre-show. Calice. C'était pas les Matadors? C'était Non. Co-Bro, Santino Marella et Zack Ryder. Sacrément, ok. Bah, c'est une bonne question. Bon, ben c'est tout. C'est tout. Quiz est terminé. J'ai eu 4 sur 10. Je n'aurais pas avoir plus. Si j'aurais eu toutes les questions qui t'approchent, j'aurais eu 7. Ben, t'aurais pas à boire la dernière avec ma tonne 5, mais c'est pas assez La pour moi, première je te le dis. aussi, là. Big Fait Boss Man contre que. The Rock, là. Je pense que la prochaine fois qu'on va s'affronter, on va probablement être dans la biographie de Bray Wyatt. Là, je vais essayer de. On va avoir des invités, fait que je vais essayer de nous concocter un quiz pour cette biographie-là, pour finir ça un peu plus en joyeux, parce que ça ne sera pas toujours joyeux dans cette biographie-là, malheureusement. On va Non, essayer de faire non. ça joyeux quand même, mais c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de t'affronter à nouveau. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait Voilà. que le quiz est terminé, le review est terminé, tout est terminé dans le rétroviseur. Merci TJ! Excellent. Même si le Yes, show était pas sir. chaud. Ouais. Puis, restez à l'affût parce que bientôt, on va dévoiler le gagnant du tournoi pour le meilleur lutteur WCW interactif qu'on a fait. Oh yes, j'ai hâte. Ouais, fait qu'on Quand va est-ce qu'on faire va ça. savoir? Ben, dans pas long. Dans vraiment, vraiment pas long. Mais non, on n'a pas fini. On a oublié un petit ajout. Ah, oui. Pour parler de la finale du grand tournoi WCW, le meilleur lutteur de l'histoire de la WCW, après vous. D'après vous, chers auditeurs du podcast. Puis c'est le fun. On a beaucoup de monde qui a participé. Ouais, ah ouais, c'était cool. La finale surtout en plus, là. Ouais, c'est le fun de faire de quoi d'interactif, que le monde vote, là, que ce soit pas dans le vide, là. Tous ceux qui ont voté, on en remercie beaucoup. Ouais. Vous n'êtes pas là pour faire lancer des fleurs, vous êtes là pour entendre les résultats du tournoi. Oh. Es-tu prête? Ouais, je suis prêt. Et en première ronde, en ordre de publication que j'ai mis sur Ouais. Facebook, Macho Man Randy Savage a vaincu Rey Mysterio 15 à 10. Puis feel free to jump in quand tu veux, s'il y a un résultat que tu veux parler. Ouais, j'aurais mis Rey Mysterio à la place de Macho Man, mais ça, c'est un choix personnel. OK. Ben, Macho Man a quand même tout gagné de WCW pareil, là. Oh, ouais, non, je sais, Ouais. mais pour moi, Macho Man, c'est plus un gars de WWF, mais Ben, encore là. tant qu'à ça, Rey Mysterio avec, pas mal aussi, là. Ouais, c'est vrai qu'il a fait. Il est beaucoup plus à WCW qu'à WWE que à WCW, là. Ouais, je pense que dans le fond, moi, c'est plus que où tu as fait ton nom que Ouais, il a plus fait. ça, mais Ouais. t'sais, encore là, c'est pas. Pas mauvais choix, Il était 5 ans à WCW, tandis qu'on parle de lui, ça fait quoi, 12-13 ans qu'il est là à peu près? là. Ouais, c'est fou, pareil, quand tu penses à ça. C'est fou, là. Fait qu'ensuite de ça, on a le préféré de tout le monde, Bill Goldberg, qui a battu Ricky Steamboat 7 à 15. En parlant de Steamboat, la Steam a monté ses réseaux sociaux pour ça. Ouais. Une chance, c'était pas Goldberg Hogan la finale. Ouais. Tabarouette. Je pense qu'il y a personne Bon. qui a raboté.
Non, moi, on aurait voté pour Hogan. Ben là, il est quand même, mais c'est quand même rendu bien, Hogan. Ah, ouais, c'est vrai. Après ça, dans la déception du tournoi, Vader battu Lex Luger 15 à 6. Mes 5 votes n'ont pas été assez pour faire ramasser la vapeur à Luger. D'autres, ça le ferait d'eau. Mais non, c'est pas vrai, j'ai rien. J'ai pas voté pour le tournoi. Scott Hall contre Booker T. Et in extremis, Scott Hall a gagné le combat. Ça, ouais. Ça, je suis pas d'accord. Juste parce que Scott Hall est décédé. Là. Ouais. Scott Hall, Booker T, c'est une plus grosse. Ça, puis qui était à Razor Ramon. Le monde se rappelle plus de Razor Ramon. En même temps, c'est un des trois gars qui a changé la game. Oh, ouais. Fait que, tu sais, c'est. Ils ont le droit, là. C'est correct. Ouais. C'est pas un mauvais choix, les deux. Là. C'est juste que. Après ça, le partenaire de Scott Hall, l'outsider Kevin Nash, s'est fait varloper par Sting par la marque de 33 à 7. Ouais. Luger t'as pas spé finalement. Après ça, dans un autre match d'un côté, ce qui était évidemment à prévoir avec ces deux lutteurs-là, Rick Rude contre Hulk Hogan, mais évidemment Hulk Hogan a gagné par la marque de 20 à 9. Ouais, correct ça. C'était sûr, là. Après ça, un match qui a été très serré, d'un vote seulement de différence, Diamond Dallas Page. La crasse. A battu Dusty Rhodes 16 à 15. Et pour terminer la first round du tournoi, Ric Flair contre Scott Steiner a vu le Nature Boy Ric Flair gagner 20 à 9 contre Big Papa Pump. Je suis quand même content des votes, là, pour vrai. Ouais. Le seul vote, moi, que je suis pas d'accord, c'est Booker T. Scott Hall, là. Ouais. Le reste, j'ai aucun problème. Luger, là aussi. Là. Mais ouais, j'ai rien. Oh, c'est correct. Le plus, c'est que quand j'ai fait le bracket, j'ai dit, va donner facile à Luger, peut-être passer contre Vader. You know. D'après moi, Luger aurait même pas dû être dans le tournoi. Mais... Non. Luger a gagné la World Heavyweight plein de fois, la US, la TV, la Tag Team. Il mérite d'être. Puis tu parlais de changer de la game aussi. Le fait aussi, quand t'es arrivé au premier Night Show, unannounced aussi. Fait que... C'est vrai. Ouais. Après ça, deuxième round, Macho Man contre Sting. Mais le Stinger a gagné 21 à 7. Mm-hmm. Jusque-là, encore correct. Mm-hmm. Après ça, on a Diamond Dallas Page. La crasse. Qui a été contre Hulk Hogan et ça s'est terminé 14-11 pour Hogan. Quand même, un match serré dans les circonstances. Ouais. Page, c'est un gars hyper populaire pour vrai. Là. C'est... Ben ouais, avec ce qu'il fait pour tout le monde après sa carrière, c'est sûr que ça aide beaucoup. Là. Ouais. Mais il a toujours été. Ben, c'était le People's Champ de la WCW. Oh ouais. Puis, tu sais, c'était un gars aimé backstage aussi beaucoup, là. Fait que... Ouais. Un travaillant. Et après ça, on a eu Scott Hall contre Ric Flair. Et là, Scott Hall, son beau parcours s'est terminé après avoir perdu contre Ric Flair 21 à 15. C'est quand même trop serré. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est Scott Hall, là. Le power du qui est décédé, puis que le monde l'avait mis à Razor Ramon dans le temps, là. Ouais. Il est cool. Deux éléments qui jouent contre eux autres, ça. Mm-hmm. Et dans l'autre match, qui était très serré, Goldberg a battu Vader 20 à 18. Ça, c'est un vote qu'on a suivi de très très près, ça. Je me souviens, là, on s'en parlait souvent de ce vote-là. Un moment donné, on a fait comme... Vader et Goldberg est mieux de passer qu'on s'est ouais. dit. Là. Puis bon. Goldberg, c'est probablement le seul du tournoi qui s'est fait insulter. Pas insulter, mais qui était très controversé à quasiment à chaque ronde. À chaque ronde, non, il n'y a pas de ronde qui est peut-être controversé à tous les rondes. Merci Alfredo pour ça. Entre autres, oui. Ouais. Et après ça, on a les demi-finales avec Hogan qui a battu Bill Goldberg 7 à 9. Ouais. C'est correct. Là. La revanche du match d'Atlanta. Du Georgia Dome. 17 à 9, je ne sais pas si je l'ai dit, mais 17 à 9 le score de ce combat-là. Et après ça, l'autre de demi-finale, la dernière, Ric Flair contre Sting. Ça joue solide des côtés. Et ton pick Sting contre mon pick Ric Flair, ben c'est Sting qui a gagné 15 à 10. Un peu déçu, mais bien franc avec toi. Là. Une bonne bataille. Ouais. Ça aurait pu être une finale avant la finale, ça. En fait, c'est une finale avant la finale. Ouais, pretty much. Là. Ben, quoique, avec Hogan, on ne sait jamais. Là. Mais logiquement, ça aurait dû être la finale, le gagnant de la finale dans ce match-là. Là. Et pour terminer, j'espère que tu es prêt. Oh, Marco, oui. Sting a affronté Hulk Hogan. Et dans un match qui était une victoire écrasante de Sting, il a battu Hollywood Hogan, ben Hulk Hogan, par la marque de 28 à 14. Et je vous présente, ben, c'est quoi dire avant qu'on fasse la présentation finale? Ou...
Ben, c'était mon choix de finale puis mon choix de gagnant. Fait que ouais, pour une des rares fois, j'ai pris DJ quand même assez juste. Puis il n'y avait pas de mauvaise. Non. Le Final Four était ce qu'il devait être, là, ça, honnêtement. Ouais. Non, ça aurait fait que n'importe qui des quatre, puis je pense que ça aurait été correct. Mais Sting, ça a toujours été le gars un peu comme le poster boy de WCW. Là, ça a toujours été présenté de même aussi. Fait que non, je suis bien content. Fait que le grand gagnant du concours interactif de WCW, l'homme qu'on appelle Sting! Il est Tony Chavanier. Fait que félicitations à Sting le gagnant. On va y envoyer un beau de quoi parler mal pour le féliciter. Oui. Il va probablement jamais le recevoir. Ça se peut, hein? Oui, exactement. oui, fait que le grand gagnant du tournoi, Sting. Mais le grand gagnant, c'est vous autres pour avoir participé au tournoi. On vous remercie beaucoup encore une fois. Exact. Puis, écoute, c'était le fun. Le prochain truc interactif comme ça qu'on va faire, je sais que tu m'avais laissé le choix de choisir ce que je voulais faire comme truc. Le tournoi, oui. Ouais, on va probablement en faire un pour closer l'année, peut-être au mois de décembre. Tu sais, le mois de décembre, c'est toujours un petit peu plus tranquille, fait qu'on mettra un peu de piquant, on mettra un peu de sauce piquante. Festif! Ouais, c'est réseaux sociaux. Fait qu'on va essayer de trouver quelque chose. Je vais choisir, mais je vais quand même consulter TJ, comme on fait de toute façon. Au PDP, je peux faire le bracket si tu veux pour toi, là, si t'es plus à l'aise avec ça. On regardera, puis on va sortir quelque chose d'autre. C'est toujours le fun de voir, puis il y a toujours des nouvelles personnes qui popent sur ces réseaux sociaux quand on fait ça. Fait que c'est le fun l'algorithme nous mène de notre côté souvent, puis ça nous fait découvrir des nouvelles personnes. J'ai remarqué quelque chose aussi que, tu sais, on n'a pas besoin de partager dans 26 groupes pour avoir des résultats parce que le 3 quarts, 95% de nos résultats, c'est sur la page en Duchesse de métal. Ouais, fait que ça, c'est cool, hein, je pense que je ne le partagerai plus. On va juste le mettre sur la page en Duchesse de métal puis ça va pouvoir faire plus de publicité de même pour nous autres. Ouais. Tout le monde va être content. Puis ceux qui aiment la page puis qui follow, tu sais, il y a liké puis il y a followé. Fait que, tu sais, des fois, il y a comme un écart entre les deux. Fait que si vous likez, followez la page en même temps. Fait que ça fait monter un peu l'algorithme pour qu'on. On peut se popper un peu partout pour les fans de lutte, surtout ceux qui aiment la vieille lutte rétro, je pense qu'ils vont apprécier le produit. Puis aussi, évidemment, pas juste ça, tu sais, tu peux aimer la page sur Facebook, Instagram, Twitter. Ouais. Tu peux aussi mettre des 5-star reviews sur Apple Podcasts puis Spotify aussi, pourquoi pas, avec une description que vous aimez le podcast. Puis des affaires comme ça. Fait que n'hésitez pas à mettre votre grain de sel là-dessus parce que ça nous aide terriblement beaucoup. Puis nous autres, c'est évidemment, on ne fait pas juste ça pour avoir des views et des follows, là. On fait ça pour le fun aussi. Là. Mais c'est le fun d'avoir un peu d'être valorisé un peu plus une fois de temps en temps. Fait que là, je sais pas. Oui, puis merci pour les commentaires qu'on reçoit chaque semaine. On en reçoit de plus en plus. Fait que c'est vraiment le fun. Sinon, ben, on va vous parler de notre prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous, ça va être à travers la table, évidemment, quand il y a un show de la Main Event Wrestling. Fait que cette semaine, on n'a pas de lutteur. En fait, on n'a pas d'entrevue, mais c'est pas vrai. On a une entrevue que vous avez vue. Une entrevue exclusive que TJ a faite avec la nouvelle championne de la Main Event Wrestling, un face-à-face de 2-3 minutes. Je pense que vous allez apprécier ou vous allez avoir pitié de TJ, un des deux, là, mais excellente entrevue. J'ai hâte que dans bois revienne parce que. Fait qu'on vous en dit pas plus, on vous spoil pas si vous le savez pas, mais allez regarder ça sur les réseaux sociaux. Fait que mercredi, on va faire notre compte-rendu total de Main Event Wrestling. On va parler du prochain show. Il va y avoir un vidéo recap, des photos du beau Alfredo qui était là avec son kid et son neveu, qui est d'ailleurs Frankie le Mobster Barlepé. Oui. Puis c'est ça, on va parler, on va voir l'entrevue que TJ a réalisée après le show. Merci à Nick Patterson, merci à Main Event Wrestling de nous accorder ce privilège, cette exclusivité, parce que nulle part ailleurs, vous allez voir l'entrevue que vous allez voir sur le podcast. Exactement. Mercredi, Main Event Wrestling, et la semaine prochaine, habituellement, on sait toujours nos rendez-vous d'avance. Cette semaine, le dimanche prochain, en fait, ça va être entre deux podcasts, fait qu'on... On était supposé d'avoir pas la deuxième partie, mais une autre heure avec Marilee Rose. C'est encore en négociation parce que Marilee Rose a des enjeux personnels de son côté. Donc, si c'est pas ça, ça va être autre chose, mais vous n'allez pas être déçus parce qu'on a une coupe en arrière, en réserve à sortir. Oui.
Fait qu'une dernière fois, merci d'avoir voté. Puis yes. Une dernière fois aussi sur ceux qui la regardent sur YouTube. Ben, le gagnant du tournoi, Sting. Yes, sir. Fait que. Allez, bas.